Hello, on sort aujourd'hui pour un nouveau vlog, donc on est mercredi 5 août, il doit être midi, midi et demi, je sais plus exactement. Amaury a encore méga foutu le bordel pour pas changer. Hein, qu'est-ce que t'as fait? J'en ai nouveau lieu pour faire pipi, on adore. Bref, aujourd'hui on a une nouvelle bonne nouvelle. On vient de recevoir un courrier pour notre projet. Et la chambre des commerces nous demande de payer 210 euros dans 2 jours. On n'était pas au courant qu'on avait ce genre de facture à payer. Hein. De toute façon, on découvre tout. Alors entre moi, mon entreprise, que je découvre qu'il faut que je fasse des déclarations aux douanes de TVA, de trucs de bidule, que dont personne ne parle. Hein. Tu découvres ça sur le tas parce que personne n'en parle. Ça, c'est pareil. Donc hein, quand je ne veux plus jamais entendre personne me dire... Oh non, mais créer son entreprise, finger in the nose, tu claques, tu peux plaquer tout, tu lances ton entreprise, c'est génial, c'est facile, c'est... Non. Donc je veux plus entendre ce genre de discours. Et par contre, oui, c'est en fait, hein, si derrière tu n'as pas papa, maman, un bon capital ou de l'argent à rentrer. Non. Donc là, oui, on approche de plus de 2000 euros d'investissement et encore, on n'arrête pas. Donc non, si tu ne peux pas tout plaquer, si tu n'as pas du fric derrière, c'est faux. Faut arrêter avec ça. Ça se fait pas quand t'as zéro thune. Ça se fait pas quand t'es dans la merde. Non. De toute façon, vive la France. Hein. Ça va, les bureaucrates, ils sont bien payés à pas faire grand-chose. Hein. Alors, on va stocker des informations sur un serveur. Et vous rentrerez vos propres infos vous-même et ce sera géré par un ordinateur. C'est pas nous qui le ferons, mais on prend 210 euros. Ça va, hein, les salaires, ça doit... Génial. Bref. Je voulais pas râler, je voulais être de bonne humeur, même si c'est pas ma période. Mais là, toujours un truc. Moi, de toute façon, je peux rien faire. Moi, je peux pas récolter, je peux pas, j'ai pas 210 euros. Ou alors, si, j'ai 210 euros, si on le veut. Mais alors, soit, c'est la théo, c'est dans le... Il y a deux options. Soit, on se tape des agios de merde. Voilà, la banque, on va se faire engueuler par la banque et on se tape un big agio. Soit, mon chat. Donc, finalement, peut-être, mea culpa, Amy est une... réagit toujours. J'ai le sang chaud, je réagis toujours au quart de tour. Apparemment, potentiellement, ce courrier serait une arnaque. Parce que quand il y a un truc sur lequel il faut que tu te connectes pour envoyer, et quand tu es dessus, tu as juste en gros marqué payer. C'est juste un site où tu payes. Ça n'existe pas, ça. Donc, au niveau de l'administration, je veux bien que l'administration française, machin, truc. Non, et le chéri, comme il me dit, apparemment, il n'y a rien qui est estampillé, c'est un simple timbre, alors que généralement, l'administration, ils font des impressions directes avec des machines spécifiques sur. Sur les enveloppes, l'enveloppe elle a rien de spécial, c'est un site qui sera ouvert depuis 2020. Donc il va appeler cet après-midi et apparemment ce serait une grosse arnaque. Mais bon, voilà, on est tellement habitués à des coups de fourbe et compagnie de l'administration que ça on est capable de tomber dans le panneau. Mais ce qui nous étonne aussi c'est que soi-disant c'est envoyé depuis le 31 juillet mais on n'a que jusqu'au 8 août. Généralement l'administration française quand t'as un truc à payer, c'est comme les amendes, c'est comme moi avec l'URSSAF ou quoi que ce soit, c'est que t'as un délai d'au moins un mois. Pour régler la chose, et là il te laisse 2 jours. Donc tu sens bien que c'est un petit peu le coup de pression derrière pour dire vite, 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 faut payer, puis t'as pas le temps de réfléchir. Puis après, c'est là que tu poses la question, tu fais mais quel con, mais c'est trop tard, tu t'es déjà fait voler de 210 euros. Et généralement, tu ne te fais pas rembourser ce genre de choses, puisqu'après, quand tu vas sur les sites, ils te mettent en garde sur ce genre de choses. Donc s'ils te mettent en garde, c'est un peu pour se protéger que bah, ils vont sûrement pas te rembourser, en tout cas, je comprends pas. Donc il y a de grandes chances que ce soit un truc d'arnaque. On respire. C'est pas la semaine pour me faire des coups de flip comme ça, là, ça fait chier. On vous tient au courant. Bref, je nettoie les deux trois conneries et je sors les doudous et je vais manger parce que j'ai faim. Mais alors, tu boudi boud. En tout cas, elle nous a pas refait le loin, elle nous a pas refait de cauchemar, de coups de panique, la dit doudou. Et moi, j'ai pas eu mon bisou ce matin. Hein, et mon bisou. Non, Kitty, toi, t'es pas belle, t'as fait caca partout. Donc il est 1h30, je viens tout juste de remonter et j'ai eu une petite réception surprise de Wish parce que c'était envoyé par colis privé, je m'y attendais pas du tout. J'ai enfin le trouleur pour Amaury, donc je vais y essayer tout de suite voir si ça y va. Donc oui, la couleur d'Amaury c'est le violet. Donc espérons que ce soit bien pratique pour les futures balades. Il avait rien en harnais, maintenant il en a plein.
Là, je vous dis que le jus de canneuf, il est définitivement abandonné. Donc, je vais y essayer, voir ce que ça y donne. Et puis, après, ménage dans toute la pièce, parce que j'ai pas eu le temps de le faire hier, parce que finalement, on est sorti en balade avec la copine Posy. Avant-hier, j'ai pas pu, parce que je sais plus pourquoi. Donc, c'est mort. Aujourd'hui, je le fais. Et comme ça, juste après, je tourne ma vidéo haul action. Je ne fais rien d'autre tant que c'est pas fait. Mais juste ça, avant, pour lui essayer. Bon, par contre, je vous le dis en toute honnêteté, en dehors de la vidéo Wish que je vais faire, parce que je pourrais pas trop le dire par rapport au partenariat Wish dedans, mais honnêtement, c'est la même marque. C'est vraiment du True Love. Hein. C'est True Love officiel qui le vend sur Wish. Mais financièrement, ça ne vaut pas le coup. Ça coûte le même prix que sur... Enfin, ça coûte... Même avec les frais de port, ça vous coûte plus cher que si vous le commandez en Amazon Prime. Donc honnêtement, moi je l'ai pris pour vous le présenter en vidéo, mais sur Wish, moi je l'ai pris parce que Wish, bah, comme ça je le paye pas. Mais pour vous, financièrement, oui, c'est la même chose. Mais sur Amazon, je vous mettrai le lien Amazon en barre d'infos, il vous coûtera moins cher sur Amazon. Mais clairement, ou le même prix. Donc, mais avec un délai beaucoup plus court. Donc à vous de voir, mais oui, c'est la même chose, mais commander sur Wish, je suis pas sûre que ce soit vraiment le bon plan. Bref, je l'essaye à Momo pour voir ce que ça donne. Donc voilà, je viens de l'essayer sur Amaury, c'est vraiment parfait. On avait acheté le pseudo vrai sur Amazon et franchement la qualité c'est exactement la même. Hein. Ça se voit que c'est vraiment du vrai vrai True Love, hein. C'est pas du faux. Et donc j'ai essayé, donc Amaury qui fait 5-6 kilos, la taille S c'est parfait. Il a fallu que je le resserre, mais ça va être nickel pour les futures balades. Donc maintenant on aura nos trios True Love. Bon, je pense pas que ça aille pour les filles, ça, je pense pas que je leur en prendrai. Par contre j'en prendrai un d'avance tant que j'ai des partenariats pour ma Siri. Même si bah, je vais pas l'avoir maintenant, mais comme ça, ce sera fait. J'en mettrai un de côté parce que je trouve que ça va bien sur les morphologies type corgi et compagnie. Voilà, vous me direz, je saurais pas sa taille à l'avance. Ouais, mais il y a une taille où on sait que si je prends la taille de Skull, il y a peu de chances que je me trompe en fait. Et sinon, juste avant de faire le ménage, on a fini les deux paquets de jerky. Donc les loulous ont bien apprécié finalement. Peut-être que de temps en temps, je leur reprendrai malgré le prix du paquet. Mais ce sera pas un truc commun parce que vu le prix c'est vraiment très cher. En tout cas une chose est sûre, c'est qu'il va falloir que je trouve un autre carton ou que la prochaine fois que je vais chez Action j'achète une autre boîte parce que mes boîtes sont trop petites pour ranger tous mes... genre cette boîte là qui est trop petite pour ranger tous mes produits terminés. Alors soit j'y pense et je les mets dans l'atelier dans un carton, soit je sais pas comment je vais faire. Mais là j'arrive plus à gérer. Donc là le problème c'est que ça prend de la place mais que c'est pas assez de contenu pour une seule vidéo. Mais en tout cas c'est sûr que je vais bientôt en retourner une. Non mais il n'y a plus rien dedans, vous avez tout mangé tout à l'heure. Donc voilà, première étape, j'ai enlevé toutes les alaises. Je suis en train d'enlever tous les plaids pour faire un gros lavage de tous les jouets et tous les plaids. J'ai envoyé un message à Thomas qui est censé être à ma voiture pour changer mes ampoules, pour qu'il me ramène le deuxième dodo que j'ai comme ça pour le remplacer pour que celui-là puisse aller au lavage. Mais apparemment, il n'a pas eu mon message, son téléphone est resté là. Bref, donc là, je vais, pareil, enlever tout ça pour tout relaver. Bon, bah, sauf les coussins, parce que je les ai fait il n'y a pas longtemps, mais on va faire tout ça aussi. Non, mais regardez-moi la gueule du dodo de Kitty. On cherche pas où ils sont passés, toutes ces coquilles d'œufs de caille. Ça, c'est ce qu'il y avait dans le plaid. Dégueu. Full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young. Un petit tas de chien. Donc le canapé c'est fait. Tout est dépoilé. Tous les poils sont là. Maintenant, coup de balai. Never strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm Donc je viens de descendre juste le temps de faire un aller-retour, de descendre mon gros sac de jouets, plaid et compagnie, pour le mettre dans la machine à laver. Je reviens, je vois qu'il se barre en flip. Mais qu'est-ce qu'il a encore fait? J'ai même pas encore le temps de nettoyer. J'ai juste fait un aller-retour. Il a fait deux fois pipi ce matin, il est sorti deux fois. Quelle excuse est-ce qu'on va encore lui trouver? Hein? Je peux rien avoir de propre. Rien du tout. Donc voilà pourquoi je n'achète pas des belles caisses made in Pukita et compagnie, hein, parce que bon, on veut dire que ce serait de l'argent mis en l'air. Donc voilà, hein, on apprécie, c'est génial. Dire que je vais laver, pour rien, parce que ça sera sale juste après, comme d'hab.
Bon, je sais pas si j'arriverai un jour à tourner ma vidéo haul. Parce que là, donc on est sorti, on est allé à Action, on a acheté une piscine pour school parce que l'autre a été percée. Parce que le chien n'avait pas mis le tapis de yoga en dessous. Donc là, il débrouille tout seul. Il m'a dit qu'il voulait débrouiller tout seul pour l'installer. Bah, qui se débrouille. Donc je peux pas filmer parce qu'il fait du bruit en bas et parce que vu les températures qui sont hautes, il fait beaucoup trop chaud. Il faut que je m'attache les chouches, je supporte pas dans l'état que je suis. Donc juste je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a acheté chez Action. Donc on a acheté la piscine à 12€ et quelques. On avait plein rayon, j'étais trop étonnée. Sinon forcément pour les cochons, vous avez pu le constater ces derniers temps que j'en ai besoin souvent. J'ai repris des pipi pads donc dans les deux tailles différentes. J'en ai profité pour prendre la boîte que je vous avais dit des produits terminés dont je vous parlais tout à l'heure en espérant qu'elle soit assez grande. Un lot de brosse à dents parce que ça me sert à récurer les gamelles, les fonds de cage, les phares de la voiture, tout ce que vous voulez. Tout ce qui sert pour l'entretien minutieux de nettoyage. Donc j'ai pris ça, ça coûtait 98 centimes les 8. Il y a un lot de 10 mars qui est au frigo parce qu'en fait il fait tellement chaud dans la voiture qu'on l'a laissé au frigo. Enfin, je les ai mis au frigo pour qu'ils redurcissent. Je me suis pris ça. Alors d'habitude, je sais que je les prends pas quand ils sont d'une autre marque. Normalement, c'est bon. D'habitude, je les prends pas quand ils sont. Parce que les autres, c'est pas de la marque Haribo, ils sont halal et moi, j'en veux pas. Et donc, j'ai pris des Velastix et c'est goût fraise. Donc, comme ça, j'en ai jamais mangé des comme ça. Parce que je vous le dis, à chaque fois, c'est toujours pas comme je veux. Ensuite, donc par contre là ça je sais pas pourquoi j'ai payé ça. Donc les tapis de propreté c'était 1,25€ le paquet. Le paquet de mars 2,75€. Je vois pas les Haribo. Ah si, 1,29€ les 200 grammes. Hier dans le vlog je vous ai montré, j'adore acheter des crispy oignons depuis que j'ai découvert ça, donc les oignons frits. Et donc là, depuis je les paye presque 2€ la boîte, la petite boîte que vous avez vue. Et là c'était 99 centimes les 300 grammes, donc autant vous dire que j'en ai pris un paquet. J'adore en mettre dans les salades, dans tout ce que vous voulez, même dans les pâtes, ça ramène un plus. Ensuite j'ai repris 3 petits paquets de petits duck bites, des petites bouchées, donc les 90 grammes, je sais plus mais je les paye ça. 1,35€ pièce. Et j'ai pris un tube de dentifrice au fluor pour nettoyer les phares de la voiture. Oui, petite astuce, ça nettoie très 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 bien les phares de la voiture ainsi que les traces de calcaire. Donc voilà. Et ça, la petite boîte, je l'ai payée 2,09€. Donc j'aime bien ces petites boîtes qui se ferment assez facilement et qui sont donc réutilisables. Et c'est tout ce que j'ai acheté, ce sera déjà pas mal. Donc prochaine étape ménage, donc là j'ai été chercher des plaids pour les loulous. Donc Miss Kiki, c'est pas le bon truc qu'il y a là-dedans. J'avais déjà lavé un coussin là. Oh, regarde, il reste un. Oh mais c'est dégueu dans celui-là aussi, il y a du sable. Bon, je nettoie. Bon, il est pas sale en soi, c'est celui qu'il y avait dans la voiture, donc il y avait du sable la dernière fois qu'ils sont allés à la plage. Donc là je remets le couchinou. Chut. Ah, j'ai oublié de lui prendre un plaid par contre. On va lui mettre celui-là. Piki là, on va le mettre pour Kiki. Et ça protège quand même minimum le dodo. Non, ça c'est à Kiki. Hop. Donc là, tout est propre. Enduit. Le Inuko, parce que j'en ai deux. Comme ça je peux faire un roulement. Pousse-toi Didi. Didi, pousse-toi. Allez, pousse-toi. Ah, quand elle comprend rien celle-là. Hop. Lady, je te jure, t'es relou. Hop. Mais poussez-vous. Allez. Donc là, il n'y aura plus qu'à ce que je récupère un plaid pour mettre là-dedans. C'est pour la cage à Momo. Voilà. Il ira bien comme ça. Donc là, je vais nettoyer ça. Ici. Donc celui-là, il est propre. Et je vois là aussi.
dit maquillage, dit que je vais retourner une petite nouvelle vidéo avant de nourrir les chiens. Donc je vais faire enfin mon haul Action Primark parce qu'il est temps. Je me décoiffe les cheveux, je connecte l'appareil et je change la batterie. Et c'est parti. Bon, ça y est, j'ai tourné l'eau, il y en a partout. Attends, est-ce que je peux vous montrer? Il y en a là. Il faudrait que je vous décroche, ce serait plus simple. Il y en a ici, ici, ici. Sûrement là-dessus aussi. Non, non, je les ai poussés, je les jouais. Et puis là. Donc je vois si je peux réouvrir le store parce que sinon il fait trop chaud, je fais toutes les photos et je range tout. Enfin, en tout cas cette vidéo sera tournée, maintenant j'ai plus qu'à ranger et que ce soit stocké. J'ai oublié de montrer les chaussettes Harry Potter. Bon bah dommage, j'ai plus qu'à les ranger. Oui. En tout cas je suis contente parce que le ciré Primark que j'ai acheté, il va parfaitement à mon moment. Oui, il n'y a plus qu'à ranger tout ça les loulous. Après vous allez manger. Qu'est-ce qu'il fait chaud à cette heure-là? Infernal. Donc il est 20h30, je suis descendue après avoir fait toutes les photos des achats Action et Primark. Je suis descendue en bas pour filmer Skol profiter de sa piscine et j'en ai profité pour faire des photos pour le projet. Mais bon voilà, j'ai lavé la pièce aujourd'hui et quand je suis rentrée, j'ai découvert ça. Donc bah ils vont pas manger tout de suite puisqu'il faut que j'en nettoie. Donc après je vais enchaîner, je leur donne leur barf et compagnie juste après. Mais enfin j'ouvre la fenêtre parce que là il fait beaucoup trop chaud. Bon voilà, ce sera plus pratique pour ranger les produits terminés. Donc là c'est rangé, tout ce qui était dedans c'est rangé, t-shirt mis au lavage, les produits pour Siri ont été rangés, Kitty ne veut pas manger, les autres sont sortis donc je vais pas tarder à la sortir et à les faire à manger parce qu'il est déjà presque 21h. Donc je vais m'occuper d'aller faire à manger ce qui va être l'heure. En attendant j'étais en train de mettre des publications sur Insta et de répondre et de commenter les publications des gens qui commentent. Voilà.
Donc il est minuit, je viens de remonter, donc ce soir j'ai fait des faritas, quesadillas, ce que vous voulez, enfin bref, les trucs avec les mexicaines. Et on a regardé deux épisodes de Viking. Toujours pareil, toujours la même suite, toujours le même refrain, c'est juste tout ce que je demande. Donc c'est parfait. Donc là je suis remontée pour continuer à faire 2-3 trucs. Je vous en parle pas dans chaque vlog parce qu'il faut pas se dire que c'est que comme ça aujourd'hui, c'est comme ça tout le temps. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui j'ai fait le ménage, j'ai eu 3 accidents en faisant le ménage, donc je passe mon temps à nettoyer et renettoyer, partout renettoyer. Donc quand vous voyez que c'est resale, c'est pas forcément que je n'ai pas nettoyé juste avant dans la pièce. Hein, c'est comme ça tout au long de la journée. Donc ce qui fait que quand je suis remontée, alors qu'ils sont sortis, hein, donc le temps qu'on mange, il y a eu de nouveau un petit pipi ici. Et madame l'incontinente, bon j'ai changé hein. Il y avait une grosse diarrhée ici et Amaury avait fait pipi dedans. Donc pipi ici et pipi dedans. Donc voilà, hein, pour dire que bah, quand je fais le ménage, j'ai intérêt à être motivée jusqu'au bout parce que bah, ils font tout pour que ce soit tout le temps dégueulasse. À croire que ça ne leur plaît pas quand c'est propre et que comme ça n'a plus leur odeur, il faut qu'ils refassent par-dessus. C'est la seule explication que j'ai pu trouver jusque-là. Bref, donc là je sais même pas ce que j'ai prévu de faire. Très long. Non, ça je vais pas faire tout de suite. Décongeler une barf, c'est bon. Mettre à jour ma liste de recettes. Donc, comme je dis, j'ai fait les faritas, ce que vous voulez. Je pense que faritas, c'était le nom de. Bon, c'est sûrement encore, je pense qu'il y a encore une autre. D'une des sœurs d'Amaury. Une sœur d'une autre portée avant lui. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes trucs non. Bref. J'ai mis 2 fois la même recette. Normal. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que je pourrais faire après de beau? Regardez série, c'est ok. Donner du foin aux cochons, ils en ont encore, donc ça pas besoin. Et ben, je vais sûrement refaire quelques petits bandanas ou des trucs comme ça, des masques. Je sais pas. Je verrai, je vous montrerai de toute façon après. En regardant des vidéos YouTube, je vais sûrement faire un peu de montage à un moment. Il faut que j'avance dans ce que j'ai fait, surtout que j'ai fait le haul que j'ai tourné aujourd'hui, j'aimerais bien le monter aussi. Donc je viens de finir ma session couture pour aujourd'hui, donc là je sens que le chien va me dire d'un instant à l'autre qu'il va falloir aller se coucher, donc comme les chiens viennent de boire, je veux pas qu'ils me refassent pipi, et que moi aussi j'ai envie d'aller aux toilettes. Bref, je vais les sortir pour être tranquille, et puis après de toute façon on va pas tarder à aller dodo. Kitty a mangé un peu, elle m'a fait de la bouillie avec sa pâtée. Je leur donne à voir ce qu'elle a soif, mais apparemment il y a plutôt les autres ont tout bu dans des whist. Bref, je vous dis donc à demain pour le prochain vlog. Merci pour votre fidélité et puis n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Bisous.